Donc figure-toi que je suis allé voir au cinéma. C'est la petite chronique cinéma maintenant. On Ok, est attends, je crois qu'on a le fossoyeur avec nous en voilà. duplex. Le Fossoyeur, Durandal Et d'autres. voilà. Et de types Voilà. connus. C'est ça. Donc oui, je suis allé voir Vice Versa, le dernier Vice Pixar, versa. Bah, c'est bien, tu vas pouvoir m'en parler un peu. qui s'appelle dans ton pays Inside Out. D'accord, dans mon pays. Dans ton pays natal. Ouais. Tout à fait. Bon, alors je fais rapidement le pitch, même si c'est pas forcément ça qui est Bah, je veux bien le genre hyper pitch quand même, parce intéressant. que moi Oui, j'en bien ai pas sûr, bien entendu sûr. parler de ce film. Enfin, Inside Out, j'en ai entendu parler, mais pas vice versa. Alors donc, en gros, c'est l'histoire d'une petite fille. C'est l'histoire d'une petite fille et c'est surtout en fait un parallèle entre ses émotions personnifiées dans sa tête Ok. et ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, Très bien. là, par exemple, quand on la voit qui est contente, etc., bah, on voit dans sa tête qu'il y a l'émotion joie qui est en train de tapoter sur le clavier de bord pour qu'elle soit contente, etc., quoi. Donc voilà, c'est un petit peu C'est le le. ouais. Ça reprend les Sims en fait, ça reprend un peu cette idée-là, quoi. Ouais, plus ou moins, mais Plus ou quand même moins. avec des bah tu En sais quoi ça. tout ça c'est dans sa tout ça c'est dans sa c'est dans sa c'est les émotions qui sont personnifiées dans sa tête, tout simplement. Donc tu sais, ça veut dire qu'il y a la joie, il y a la tristesse, il y a la colère, Ok. il y a le rejet, etc., enfin le D'accord. dégoût, etc., et tous ont une personnalité. D'accord, chaque émotion a une personnalité, C'est d'accord. ça, voilà. Chaque émotion a une Ok. personnalité et interagit avec la commande, avec le tableau de commande à plus, bah, selon la situation, on va dire. Ok, donc c'est plutôt il était une fois la vie. Oui, c'est un peu ça, voilà. D'accord. Mais sans le côté scientifique. Sans le côté Mais là, intéressant. ça nous apprend à rien du tout, Ah, enfin. Moi, j'en pouvais pas quand je regardais Il était une fois la vie, ça m'énervait, quoi, j'apprenais des choses et tout. Toi, tu voulais juste voir le type avec sa grosse barbe, tu le trouvais marrant, l'autre qui ressemblait à C'est ça. Sarko, etc. Ah là là, oui, je pense que l'élection de Sarkozy en 2007, je sais plus, enfin, elle a pas été pour, ça a pas été pour rien, quoi, ce type avec sa barbe. Vous rappelez du virus là qui faisait chier tout le temps, ici on C'est ça, le virus. l'Élysée. Ah oui, il est tellement charismatique. Ah, ça, c'est la génération Y qui se met à voter, hein, ça fait n'importe quoi. Et donc voilà, toujours est-il qu'il y a ces émotions dans sa tête. Et Ouais, on s'est douté. donc en fait, l'élément perturbateur du film, c'est que donc en fait jusqu'à maintenant, elle avait principalement de la joie et tout parce qu'elle était enfant, quoi. Parce que Ok. bon, voilà, enfant, on pourra dire ce qu'on voudra, mais c'est plutôt joyeux. Ça dépend des enfants, mais ouais, Ouais, je espérons. suppose, ouais. Ceux qui vont à la mine C'est ça. et Les enfants normaux, quoi. tout. Voilà. Et donc là, elle arrive à vers ses 12 ans, à un âge où on commence à être un petit peu plus, C'est une préadolescente. c'est ça, on commence à être un petit peu plus pluridimensionnel à ce moment-là, Exactement. même si ça commence un peu avant, je pense. Ouais, 12 ans, ouais, c'est même le début de l'adolescence chez les filles. Ouais, c'est ça. Et donc en fait l'élément perturbateur, c'est qu'il y a sa famille qui déménage et donc du coup bah ça l'a fait bader à fond et voilà, en gros c'est un petit peu ça tourne un petit peu sur ce thème central, donc qui est le fait qu'il déménage dans une autre ville, que du coup elle perd contact avec ses amis qu'elle avait depuis qu'elle était toute petite, avec ses sports, le sport qu'elle faisait quand elle était là-bas, bah tout simplement avec sa baraque et même un peu avec sa famille et tout, du coup, et que bah voilà quoi, juste elle est un peu en bad. Il déménage de où à où, c'est très important. Alors il déménage d'endroit où t'es allé en plus. Alors je crois que c'est Forcément, c'est mon histoire. Ah merde, putain, le... C'est en Californie? Alors je sais qu'ils vont à le... Je crois qu'ils vont à San Francisco. Ok. Ça, Et c'est en Californie. voilà. Et ils partent. Non, ils partent d'un autre état. Donc attends, je regarde juste de où elle part D'accord. parce que ça me... Donc il y a une vraie séparation, quoi. C'est loin. Alors, elle était dans le Midwest avant. Ah, ok.
Forcément. Ouais, dans une ville encore plus. Enfin, généralement, c'est l'inverse d'habitude. Enfin, j'ai l'impression que les gens. Ah bah non, généralement, c'est plutôt les gens qui vont d'une petite bourgade, entre guillemets, vers. Ah voilà, elle était dans le Minnesota et elle va à San Ouais. Francisco. Super, Minnesota, la réputation. Enfin bon. Bon, quelle réputation. Non, non, en fait, c'est même pas ça en plus. Parce que justement, moi, j'ai le schéma inverse en tête. Le schéma que t'as dans certains films où les parents vont déménager dans un endroit un peu paumé, dans une maison avec. Ouais. Dans une maison à la campagne où il y a forcément une maison magique avec la forêt magique, etc. Où au début, l'enfant est pas content et après, il devient content. Alors que moi, au contraire, c'est vrai que le truc, c'est que justement, le déménagement, c'est un truc qui revient extrêmement souvent dans les films américains. En fait, même, Ouais. je dirais que la moitié des films pour enfants, il y a un déménagement dedans, quoi, s'il y a des gamins. Alors moi, c'est vrai que la vision que j'en avais jusqu'à maintenant, c'était plutôt effectivement plutôt des types qui partent de la campagne pour aller dans une ville, ou alors qui partent d'une grande ville qu'ils connaissent pour aller dans une autre grande ville qu'ils connaissent pas. On voit même ça dans j'y pense, mais dans Menteur Menteur avec Jim Carrey, c'est un des points et tout, c'est que du coup Jim Carrey qui s'est séparé de sa femme, bah sa femme elle va déménager à Boston alors qu'ils sont à un autre endroit, à l'autre bout des États-Unis, je crois, on s'en fout. D'accord, je me souviens Mais vraiment plus très bien de ce film en ouais, plus. bon, c'est pas très grave, c'est pas un chef-d'œuvre, je t'avoue. Non mais t'en parles souvent donc. C'est vrai que je t'en avais déjà parlé la dernière fois pour l'actrice qui avait une voix un peu énervante, je crois. Bref, peu importe. Bon, en l'occurrence, c'est pas exactement le même ressort narratif, parce que là, pour le coup, le déménagement, c'est un élément perturbateur pour Jim Carrey, qui du coup perd sa femme et son gosse. C'est pas tant la question du gosse, qu'est-ce qu'il pense du déménagement, que de Jim Carrey, qu'est-ce qu'il pense de sa famille qui se barre. Mais donc voilà, tu aurais dit que c'est un ressort qui revient très souvent dans les Dans les films films américains. américains pour la jeunesse surtout, ouais, Ouais, les c'est films ça. jeunesse. Et Comédie familiale. alors que pour le coup, je trouve que ça, je crois pas qu'il y ait vraiment de films français où ça soit mis tant que ça en avance. Alors peut-être qu'après la France c'est plus petit, mais d'un autre côté, moi personnellement, je sais pas si ça me change vachement. Et de toute façon, tu pars d'un endroit à un autre, même si tu déménages d'une ville à une ville voisine quand t'es enfant, de toute façon, ça te change déjà la vie parce que tout simplement tu as pu voir tes potes, tu as pu voir ton tu as changé d'école, etc. Ça te change la vie que tu partes à 100 km ou que tu partes à 1000 km, quoi. Ouais, après, bon, je pense, je sais pas. J'ai pas la raison pour laquelle c'est pas représenté pareil dans le cinéma français-américain. Mais déjà, comme tu dis, ça change, mais malgré tout, ça devient plus, c'est, ça reste quand même plus facile de voir la famille si tu déménages pas trop loin. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas non plus trop rare de déménager d'un État et de pas d'aller à 2 000 à 3 000 km d'ici, enfin de là où tu habites. Donc c'est quand même bien loin. Et peut-être aussi que c'est moins fréquent en France de déménager qu'aux États-Unis. Je sais pas. Alors pour le coup, moi, la plupart des gens que je connais ont déménagé dans leur enfance. Ouais. Mais en fait, du coup, moi, ce qui me faisait un peu marrer sur ça, c'est que donc moi, alors j'ai bien aimé le film, sinon il est plutôt sympa, mais l'amie avec qui j'étais, Mathilde, pour ne pas la nommer, était un petit peu déçue parce qu'il n'était pas aussi lolilol qu'elle l'eût aimé. Mais sinon, mis à part le, si on n'y va pas pour se taper une grosse marade, bon, il est quand même pas mal, quoi. Alors que du coup, moi, j'étais un petit peu déçu par le côté, par justement le fait que le film se concentre sur le déménagement, parce que ça fait, comme on l'a dit, c'est un truc qui revient très souvent dans les films américains, et personnellement, je trouve que ça en devient un petit peu un gimmick, quoi. Tu sais, genre, c'est un peu cliché, le gamin qui déménage et tout, et donc voilà, je trouve que c'est pas super intéressant de se concentrer là-dessus, et surtout parce que moi, en fait, alors effectivement, j'ai déménagé quand j'étais petit. Ouais. Mais c'est un déménagement dont personnellement, tu sais, c'est pas un truc qui m'a marqué du tout, quoi. Enfin, je sais que j'ai déménagé et tout, mais pour autant, j'ai pas badé, j'étais pas en mode, ah, j'aimerais tellement retourner dans mon ancienne maison, là où il y avait mon chien, mon On chat sent l'amour que tu portes au l'empathie que tu portes aux gens qui ont ce discours. bah, c'était plus, pour personnifier Toi aussi tu moi, personnifies. si j'avais été dans cette situation-là, c'est peut-être comme ça que j'aurais sonné, je sais pas. T'avais quel âge au moment du Alors déménagement? justement, j'avais 5 ans, je crois. D'accord, Donc ça va, j'entrais en c'est jeune. CP, je sais plus exactement,
c'est à quel âge qu'on entre en CP, mais donc j'entrais en CP, donc on va dire que c'est pas... Et justement, je pense que c'est pour ça que j'ai pas été tant affecté que ça, parce que bon, tu sais, à 5 ans, t'es pas... je me rappelle à peine de comment ça... Enfin, je me rappelle de plein de trucs, mais je me rappelle pas... tu sais, c'est pas là, Ouais, c'est pas d'autant de là où j'ai le que plus de souvenirs, oui. tu développes la... tu réalises qu'il y a un monde autour de toi relativement tard, tu vois, Ouais, c'est ça. jusque vers 3 ans, t'as du mal à comprendre que les choses avec lesquelles tu interagis sont des êtres humains, souvent. Ouais. Et donc en fait, quand on a déménagé, donc on est avant de nous retrouver dans la bah, là où mes parents habitent encore, en fait on a eu une année de on a eu une année de merde de transition, une Ouais, année de d'accord. transition qu'on a faite dans un appartement le temps que la baraque le temps que la baraque se construise. Ok. Et en fait moi cette année de transition j'en garde plutôt un bon souvenir, tu sais, genre c'est même ouais, bon bah effectivement on a déménagé, mais j'étais dans une grande ville, bon ça je m'en fous un peu, mais j'étais dans une grande ville, puis j'allais à l'école où j'avais un pote, c'était pas mal, genre je jouais dans l'appart, tu sais, et même en fait les moments de tristesse dont je me rappelle de ce truc-là, c'est des moments de tristesse qui sont absolument pas liés au déménagement, tu sais, genre ah, Ouais. juste un jour ma souris est morte, bon bah c'était triste et tout, c'est genre le gamin qui est un Ouais. petit peu déphasé. Et justement j'en parlais avec ma sœur l'autre jour qui elle Des faits. au moment au moment de cette période de transition avait plutôt si moi j'avais 5 ans je pense qu'elle devait avoir 14 ans quoi, un truc comme ça. Ouais. Et elle me disait putain mais t'es sûr genre parce que en gros, ça a été le bad dans la famille, mais pendant toute l'année, c'était vraiment la déprime totale, quoi. Tu sais, genre, en gros, Ouais, parce bon, qu'en plus, vous viviez tous ensemble dans un appartement, il c'est était grand ou pas ça. l'appartement Il ou... était, bah, Ouais, il était moins grand que la maison dont on venait, hein, Ouais. forcément. Et vous C'était aviez une. pas chacun une chambre, je sais pas. Je pense pas qu'on ait eu chacun une chambre. Je t'avoue que je me rappelle pas très bien de comment était la Ouais. disposition, mais même à la maison où on était auparavant, on avait des grandes chambres, mais on était à plusieurs dedans parce que parce qu'on était comme ça dans la famille, quoi. D'accord, Comme c'était... Ouais. Mais je vois un peu l'ambiance qu'il peut y avoir dans ce genre de choses. Moi, j'ai vécu juste une semaine dans une caravane pendant un déménagement, mais... ouais, là c'était un an du coup, et donc voilà, en tout J'imagine, ouais, un an dans cas. une caravane, Non, c'est pas super marrant, quoi. il bah, y a des gens qui vivent toute leur vie dans des caravanes, Mais c'est un mode de vie, du coup. c'est ça. Ou non, et dans ce cas, c'est triste. Et donc voilà, et en tout cas, c'est vrai que je trouvais ça marrant parce que du coup, en fait, à la base, si on déménageait, c'est parce que mon père était muté ou en tout cas avait un truc. Enfin, si, voilà, c'était pour des raisons professionnelles qu'il devait nous faire déménager. Du coup, bah lui, il s'en voulait à mort il s'en voulait à mort de faire subir ça à sa famille. Ma mère, bah du coup, même si elle supportait mon père et tout, bah elle était quand même vachement triste d'avoir quitté sa maison qu'elle adorait et tout, le quartier qu'on adorait. Ma sœur, elle avait dû abandonner ses chats et c'était franchement, on dirait un peu Ouais, de à 14 Molière. ans, j'imagine que t'abandonnes plus que tes chats, Ouais, non, mais c'est ça qui l'avait particulièrement, quoi. c'est ça qui l'avait particulièrement troublé parce que tu sais, c'était vraiment des chats qu'elle adorait, elle avait dû les laisser et puis parce qu'on pouvait pas les garder à l'appartement, donc ça l'avait quand Ouais. même pas mal. Non, en même temps, c'est vrai que c'est trash, parce qu'à la rigueur, les amis, tu les quittes, mais tu peux te dire, bon, bah, je resterai en contact avec eux, C'est mais ça, chat, tu restes pas en contact avec c'est ça, tu peux l'appeler, mais il te répond pas, quoi. eux. C'est ça. Et donc voilà, moi c'est marrant parce que moi je suis un petit peu le, tu sais, les mes parents ils enfin mes parents s'inquiétaient un petit peu pour moi aussi, genre merde quoi, que ça va avoir une mauvaise influence sur lui, etc. Alors que moi franchement c'est clair que je me rappelle comme le truc, pom 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 dans la prairie, aucun problème. Je pense vraiment qu'il y a un âge Je idéal pour les enfants pour déménager. bah ouais, je Enfin, baf. idéal, en tout cas, qui est le moins pire. Ouais, c'est ça. Après, je pense que ça. Tu vois, je me demande même si. Enfin, je pense plutôt qu'il y a un âge où c'est critique, où ça peut être critique de déménager, mais parce que tu vois, je pense que quand t'as 15-16 ans, bah déjà, tu t'en fous un peu plus. T'es Je quand. pense que ça dépend, honnêtement, je pense que ça dépend vraiment. Si c'est à la fin de ton collège, si c'est entre le collège et le lycée, je pense que c'est tout à fait logique de déménager. Parce que de toute façon, souvent, du collège au lycée, ça bouge pas mal quand même. Mais si c'est au milieu d'un parcours Bah, scolaire, tu vois, tu c'est vois, un moi peu je pense plus par triste. exemple au milieu du lycée, je sais pas si ça a autant d'impact qu'au milieu du collège par exemple. Oui, non, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une période où c'est vraiment difficile, et c'est exactement, je pense, l'âge qui est décrit dans le film. Oui, je pense. Bah, même si d'ailleurs je crois que j'ai pas été capable de répondre aux US, est-ce qu'il y a une séparation collège-école primaire Et si oui, elle apparaît Ouais, j'ai du mal à avoir en tête exactement le système, mais c'est pas divisé tout à fait pareil que nous.
Il y a effectivement l'école élémentaire, Ouais. qui correspond plus ou moins à notre école primaire, mais qui va un peu moins loin, je semble, je pense. Et ensuite, il y a middle school, Ouais, qui d'accord. correspond au collège et un petit peu au lycée aussi, tu vois. Et D'accord. un petit peu aussi à l'école primaire. Donc, effectivement, mais c'est une longue période, hein, middle school, ça doit être genre 6 ans, 6 ou Ouais, 7 ans. donc pratiquement Donc, c'est. Elementary, c'est même pratiquement, c'est là aussi où il y a la maternelle, etc., peut-être. Ou alors c'est aussi à Plus part. ou moins, on dit généralement jardin d'enfants, en fait. Ouais, kindergarten. Ouais, et ça correspond plus ou moins à notre maternelle quand même. D'accord. Parce que Elementary, tu y vas, je sais pas, ça correspond vraiment plutôt à l'école primaire, hein, tu dois y aller vers 5 ans. Parce que toi, quand on regarde une référence dans la culture américaine, quand on regarde South Park, on a l'impression qu'ils sont tous, quel que soit l'âge, ils sont tous dans la même école. Donc. Je sais pas s'ils sont Elementary ou Middle School, South Park. Je sais pas non plus, Tu vois, j'avouerais. c'est. Mais je pense. Et je me demande s'ils sont pas middle school. S'ils sont middle school, c'est vraiment le tout début de middle school, il me Ouais, semble, je pense. je pense qu'ils sont Je meilleurs aussi. pense parce qu'il y a, comment il s'appelle, Scott Scott Tenorman. Tenorman, ouais. Tenorman. Et Scott Tenorman, il doit avoir 14-15 ans, je crois. Donc, ça doit être middle school. Donc, bref, voilà, ouais, je pense exactement ça. C'est middle school, collège, quoi, en gros. Ouais. Et de toute façon, c'est un peu la période critique pour tout, hein, cet âge-là. Bah, c'est ça. Bah, ouais, encore que je sais pas si c'est la période critique aussi pour est-ce que c'est vraiment là où on est à ce point dans Bon, la c'est pas la période critique pour les prêts bancaires, pour les huissiers ou ce genre de choses, je Ouais, suis d'accord. ça malheureusement c'est tout le reste de la vie qui est la période critique C'est pour ça. ça. Mais non, je pensais par exemple au déboires amoureux, etc. Je sais pas si c'est encore très développé au moment du collège. Ça commence un peu, mais c'est tranquillou, quoi. Enfin, bon, Ouais, oui, non, ça dépend des effectivement, personnes, oui. encore une fois, je pense que ça Ça dépend des dépend des personnes. Là, personnes, je mais parle de mon cas où c'était plutôt tranquillou à ce moment-là. Ben, comment dire? Ouais, mais ce qu'il faut comparer, c'est si tu es dans une relation amoureuse, dans un truc comme ça, à cette période-là, et qu'il se passe quelque chose, comment tu le gères par rapport à si tu es dans cette même situation lorsque tu as 15-16 ans, tu vois? Ouais, mais justement, moi j'ai tendance à me dire que les amours, enfin, en fait j'ai tendance à être méprisant avec cette période de l'amour, parce que naturellement j'ai tendance à dire avec les amourettes de collège, etc. T'es genre les trucs qui commencent et qui s'arrêtent comme ça, et puis genre qui s'enchaînent parce que c'est la période, quoi, c'est comme ça. Mais oui, Ouais, après peut-être me tranche. t'as la même chose à n'importe quelle période de la vie, hein, tu sais, Oui, oui, c'est juste que tu t'affiches moins en fait quand oui. t'es, enfin ça dépend des personnalités, mais quand t'as une amourette au collège, effectivement, les gens parfois ont tendance à s'afficher, alors que quand tu vieillis, que t'as une amourette ou genre tu flirtes seulement, bah t'es mature, tu le dis pas forcément, Oui, tu fais pas certes. genre bah. Regardez Ça ma sent. nouvelle cousine. Non, bien sûr. Mais non, je pense ça, c'est vraiment tu commences à entamer une relation vraiment avec quelqu'un. Vers l'âge de 12-13 ans, ça peut être un peu chaud, je pense. Ouais, ça peut Mais suivre. effectivement, je sais pas dans. Je suis d'accord avec toi, mais cela dit, je pense que vraiment, ouais, de 12 ans jusqu'à 14 ans, là, même 15 ans, enfin, c'est vraiment cette période de l'adolescence qui est vraiment difficile, et je pense que le déménagement à ce moment-là, ça aide pas, quoi. Ouais, je pense non plus. Mais encore une fois, c'est le truc qu'on a répété 50 000 fois dans la session. Ça dépend des personnes. Bah, Mais ça dépend des personnes, hein. voilà, On quand est tous même. différents. Chacun est un individu. Il n'y a pas de collectivité. Ça n'existe pas. Et donc, pour autant, je demandais rapidement à Mathilde, qui elle avait eu D'accord. aussi un déménagement un petit peu difficile. Et toi, d'ailleurs, qu'en est-il de ton déménagement? Parce que je sais que t'as eu un déménagement, je me rappelle plus du tout à quel âge ni rien. Enfin, si, quoi que ça devait être à la fin du collège, peut-être. Tu me parles de moi là parce que Ouais. tu as dit, je demandais à Mathilde qui a aussi eu un Et j'ai déménagement. Et enchaîné. toi, comment Oui, on avait effectivement. vraiment l'impression que tu ouvrais les guillemets quoi. Ouais, non. Très Non, bien. non. Oh, non, mais moi c'est mon histoire vice versa. Ah. C'est exactement cet âge-là. J'ai déménagé en cours d'année scolaire. Je croyais que t'avais des. Alors je me trompe complètement, il me semblait que t'étais arrivé à Alors, j'ai Saint. pas déménagé à Philadelphie, hein, à Ah. cet âge-là. Je croyais que tu y étais depuis quel début de l'année là. Non, Non, non. je croyais que t'étais arrivé à Sainte-Maure qu'au début du Sainte-Maure. lycée, mais je me trompe. Ah non, tu te trompes. Ouais. Ah Je suis arrivé au lycée, oui, au début du lycée. en plus tu m'as montré ton collège et tout, donc oui, pardon, je t'en prie. Ouais, je t'ai montré ma superbe ville, mon Ouais. superbe village, ma grande ville de 3 000 habitants, moins de 3 000 habitants.
Mais non, non, je suis arrivé en cours d'année scolaire en fait. C'est vraiment le truc. C'était en cinquième, donc j'avais 11-12 ans, tu vois. Et c'est ça. Ça devait être au mois de avril, mai, je sais plus, peut-être mai. Donc c'était vers la fin de l'année scolaire, mais tout de même, c'est vraiment très bizarre en fait de changer en milieu d'année scolaire et à 12 ans. Oui, je vois bien quoi, Et effectivement. c'est vrai que sur le coup, je sais pas si je l'ai vraiment mal vécu, à part cette chose totalement idiote et immature, mais en même temps j'avais 11-12 ans. On m'a dit que j'allais aller en cinquième Coluche. Et à cet âge-là, je savais pas vraiment qui était Coluche. Moi, je comprenais que c'était un clown en fait. Tu vois que on m'a dit que c'était un comique, tout ça. Dans ma tête, c'était un type qui mettait genre un nez de clown et qui disait hey, comment ça va les enfants? Et du coup, je me disais non, je vais pas aller dans la cinquième Coluche. Ça va être trop pourri. Les gens ils vont être trop nuls et tout. Ils vont avoir de l'humour de merde. Ils vont m'arroser avec des fleurs et tout. Bref, les trucs que tu fais quand t'as 11 ans et que t'es un peu idiot. D'un autre côté, si tu sais pas qui c'est et que tu crois qu'on t'a foutu dans une classe de cirque, c'est même pas une école de cirque, c'est juste cette classe-là dans le lycée qui est normal, dans le collège qui est normal, mais cette classe, c'est des putains de bozos C'est dedans. ça, C'est vrai que exactement, je croyais que c'était la cinquième bozo. c'est un petit peu décevant, quand Donc même. j'appréhendais un peu. Oh, je pensais que je valais mieux que ça. Donc ça, voilà, c'est ça que c'est vraiment le truc dont je me souviens où j'ai eu le plus de crises au final. Donc tu vois, c'est vraiment anecdotique. Ouais. Et forcément, dès le premier jour où j'y suis allé, je me suis rendu compte que c'était pas ça, Ouais. quoi. Les gens étaient à peu près normaux. Dès le deuxième jour. Le premier jour, le mec, il a quand même des doutes. C'est ça. Donc il y a ça. Bon, aussi au moment de partir de mon ancien collège où j'étais triste quand même de quitter mes potes. Mais sur le coup, j'ai pas forcément réalisé que j'ai pas forcément mal vécu sur le coup. Cela dit, je suis vraiment, quand je compare mon caractère et ma vie au quotidien avant et après, c'est vraiment très différent. Et c'est vraiment bizarre parce que ça s'est passé inconsciemment quelque part, mais je me suis vraiment renfermé. J'avais beaucoup moins d'amis, j'étais beaucoup moins grande gueule parce que quand j'étais dans mon ancienne ville, dans mon ancien village aussi, c'était une petite ville, hein, il y avait 7-8 000 habitants. J'étais vraiment le type bavard dans la classe et j'avais vraiment une bande de potes, de 6-7 potes, on était toujours ensemble et on était un peu chiant, tu vois. On faisait Ouais. ch on était gentil mais chiant, tu vois. Ouais, tout à Vraiment fait. le type arrêter de causer, arrêter de. Bon, Enfin, tu vois. de toute façon, quand t'es... Ouais, quoi que si t'es déjà au collège, genre, j'allais dire en primaire, on est toujours un peu gentil mais chiant, Ouais, c'est ça, mais mais... j'étais pareil au collège, tu vois. Ouais, C'était d'accord. ça l'idée, quoi. Mais je me souviens surtout, c'est ça, voilà. J'avais ma petite bande, tu vois. On était dans une bande de. Ça pouvait même monter jusqu'à 10, je pense, tu vois. Et puis on traînait un petit peu dans le petit quartier résidentiel, enfin. Avec vos vélos, avec une carte pour faire le bruit sur les Exa vélos. mais c'est exactement ça, en plus. On avait ça, on avait le vélo avec la petite pince à linge sur la roue. Et bon, tout ce genre de choses. Et puis c'est vrai, après, c'est vraiment bizarre. Hein. Je suis arrivé dans ce nouveau collège et puis ça a vraiment changé, quoi. J'ai pris du temps à me faire un ou deux potes, mais j'ai jamais été vraiment proche d'un ou deux potes, tu vois. Je me suis jamais fait vraiment de potes vraiment proches au collège. Et puis voilà, en fait, vu que ça vient exactement avec la transition de l'adolescence, il y a plein de choses qui changent aussi en même temps. Ton corps commence Ouais. à changer. Et Ouais, donc, tu pratiquement. vois, pareil, j'ai un peu arrêté. Petit à petit, j'ai arrêté le sport et ce genre de choses. Enfin bon, c'est vraiment tout a changé, quoi. Ouais, pratiquement, c'est difficile de discerner ce qui vient du déménagement et ce qui vient juste de Ouais, l'adolescence, quoi. Même si c'est après. difficile, même si, encore une fois, hein, c'est vraiment la différence à genre 2-3 semaines près, quoi. Deux, trois Ouais, semaines avant le d'accord. déménagement, j'avais encore ma bande de potes, et 2-3 semaines après, bah, j'avais un ou deux potes, mais que j'appelais pas vraiment des potes, tu vois, je venais de les connaître. Et honnêtement, ouais, non, j'ai jamais eu vraiment de. À mon avis, le quotidien était vraiment différent avant et après, quoi. Mais c'est pas vraiment conscient, quoi. C'est juste, j'ai l'impression un peu d'avoir subi ça, quoi. C'est pas comme si j'avais une crise, tu vois. C'est juste. Donc voilà. Moi, ça me parle, tu vois, les Ouais, films américains clichés. je me doute bien, et c'est pour ça qu'en sortant, je me disais, à la base, ouais, c'est un petit peu gimmick, c'est un petit peu cliché de faire un film qui parle, tu sais, je trouvais ça dommage et tout que ça se concentre sur cette partie-là pour parler justement des transitions qui se passent dans nos têtes, etc. Mais au final, c'est vrai que plus je parle, t'es déjà avec plus ou moins la quatrième personne, non, troisième personne qui me confirme ça, que en fait, non, peut-être c'est, au contraire, c'est peut-être très bien trouvé comme thème pour ça en particulier. Parce que apparemment c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vécu et qui a affecté quand même beaucoup de gens
Bah, la plupart des gens, enfin, la plupart des Bah gens, carrément, ça. mais pour reprendre en fait exactement ce qu'on disait avant, c'est juste que l'adolescence, ça correspond à une période de changement, le déménagement, c'est un phénomène de changement radical. Donc si en plus t'as eu les deux en même temps, bah, c'est clair que ça va parler aux gens, quoi. Ouais. Bon, en l'occurrence, le film s'arrête un peu avant avant l'adolescence. Avant la puberté, pardon. Ouais, je sais pas, si tu me dis qu'elle a 12 ans, c'est le début de la Ouais. puberté quand même. Ouais, mais le film dit très clairement que c'est pas encore qu'elle a pas encore Ouais. la puberté. Non, non, mais très bien. Il y a un disclaimer au début. Attention. Cette fille n'a pas encore la maturité sexuelle. Bon. À ce moment-là, la moitié des gens se sont levés de la salle et sont partis. Tant mieux. C'est efficace en fait ce disclaimer. C'est ça. Donc voilà, bon, c'était le petit thème. Mais Ouais. c'est en toi que j'en apprends des vertes et des pas mûres sur toi, mon cher Jérémy. C'est vrai que je savais pas que t'étais comme ça avant. Je sais pas ce que t'es en train de t'imaginer. Toi, habillé en loubard avec des lunettes de soleil d'aviateur et puis toute ta bande de. L'aviateur. Allez, allez, les copains! Non, non, on n'était pas, comment dire, tu sais, c'était les petits cons en plus, parce qu'on n'était Ouais, pas, des graines de voyous, tu vois, comme pourraient dire les gens. Enfin, les petits cons. Bon, après, je pense pas plus que ça, mais c'est juste, voilà, on était un peu turbulents, quoi. On était énervés, quoi. c'est ça. Mais ouais. Je sais pas, c'est vraiment bizarre, quoi. C'est vraiment marrant, quoi. T'as vraiment l'impression y a deux personnes, quoi. Il y a moi avant et moi après. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment, même au niveau symbolique, hein, je pense que ça parle vraiment pas mal le déménagement Ouais, je dans les suppose, objections. effectivement. Parce que ça fait une Alors, transition. ça parle juste pas à moi, mais apparemment, ça parle à tout le reste de la planète. Donc... Ben, je pense que quand t'as pas eu un déménagement à cet âge-là, et que t'as eu peut-être une transition assez continue entre l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Bah, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai plus eu de changement de ville jusqu'à mes 24 ans. Forcément, Ouais, forcément. c'est pas exactement le même délire. Et peut-être qu'en plus, tu as eu tout le temps un peu le même quotidien, le même caractère, la même Oh. personnalité, enfin, qui évolue évidemment, j'espère. Je sais Non, pas si tu mets encore des cartons sur tes roues arrière quand tu fais du vélo. Mais je la faisais déjà pas à l'époque, mais. ce serait un truc, je sais pas si personne n'a fait ça, une sorte de happening ou je sais pas quoi, mettre des cartons avec des pinces à linge sur tous les Vélib à Paris. Ce serait assez marrant. C'est vrai que tous les Vélib auraient la selle retournée parce que les gens croient qu'ils marchent pas. Serait Ah non, marrant. celui-ci il fait un bruit de mobylette. Enfin, je crois. Enfin, je crois. Bon. Mais ouais. Non, non, je pense que c'est bien vu. Après, effectivement, je sais pas comment ils ont réussi à faire un film original avec un gimmick pareil, comme tu dis. Et l'idée de personnifier les émotions, bah justement, hein, c'est du vu et revu depuis Il était une fois la vie, quand même. Ouais, mais pour le coup, c'est quand même pas trop mal fait parce que on va dire que c'est Pixar, ils font quand même des trucs pas trop mal. Ouais. Bah déjà, ne serait-ce que parce que Pixar ont tendance à pas trop prendre les gamins pour des cons et à pas faire des films qui sont juste dans la joie, etc. Et du coup, à faire même des films qui ont des un sous-texte, voire même un feeling global assez badant, quoi. Je pensais à, je sais pas si tu l'as vu là-haut ou Up. Oui, ouais. Bah là-haut, alors moi personnellement j'en garde un très bon souvenir, je l'ai Là-haut, vu il y a un film sur un Asiatique, un Cambodgien, c'est ça? c'est ça, voilà. Bah oui, pourquoi pas en même temps, mais bon. bon, pourquoi pas. c'est juste que du coup imaginer avec tout le plot de là-haut pour de vrai avec le truc en ballon et tout, après tu essaies de faire le parallèle entre le Cambodge et tout. Non, donc moi je l'ai vu il y a pas très très longtemps et puis j'en garde un très bon souvenir. Alors effectivement il est un petit peu badant, notamment les 10 premières minutes qui ont déprimé plus de gamins que beaucoup d'autres films, je pense. Mais à part ça, moi je le trouve très bien. Et sinon j'ai une amie qui m'a dit qu'au contraire elle avait regardé le truc et que genre elle trouvait que c'était le film le plus badant et pourquoi est-ce qu'on montre ça aux gamins, etc. À chaque fois, on montre bien Bambi aux enfants.
Ouais, mais Bambi, c'est quand même assez jovial pendant tout le truc, sauf à la moitié où tout se bat en Ouais. couille. Tic a craqué son slip au milieu du film. C'est ça, voilà. Là, 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 tiens, et si finalement je faisais un film d'horreur? Non, ouais, mais je suis assez surpris en fait quand tu m'as dit, parce que encore une fois, je connaissais pas du tout Vice Versa avant que tu m'en parles là. Et j'étais assez surpris d'apprendre qu'ils ont personnifié les émotions, alors que pour moi, Pixar, c'est parmi ceux qui mettent le plus d'émotions sur les visages qu'ils animent, justement. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un choix intéressant, mais d'un autre côté, tu sais, c'est chaque le point l'originalité entre guillemets du film, c'est vraiment effectivement de faire que de faire que chacune de ces personnifications d'émotions, tu sais, elle a vraiment chaque personnification a une conscience propre, etc. Et du coup, ça montre que, par exemple, au début du truc, la joie, elle est un petit peu, la joie, elle est plutôt présentée comme le personnage principal au début, mais finalement, plus ça va, et plus tu te rends compte que la joie, en fait, elle est un petit peu égoïste, enfin, égocentrique, etc., et qu'elle est un peu, tu sais, qu'elle veut qu'il y ait que de la joie dans le monde de la petite fille et tout, alors que c'est pas aussi simple que ça, et c'est même pas forcément sain que ça se passe comme ça, quoi, D'accord. Bon, voilà, Ouais, c'est... j'avais pas réfléchi aussi, mais c'est vrai que ça repose sur cette idée des universaux, qu'il y a cinq universaux dans les émotions. La joie, le dégoût, la colère, la peur Ah ouais, ça et vient quoi, la d'un... tristesse, je crois. Ouais, je Ouais, la pense. tristesse, c'est ça. Ouais, je savais pas que ça venait d'un vrai truc, mais oui. Ce qui se passe, c'est que si tu fais, tu demandes à des acteurs ou pas des acteurs, mais généralement ces acteurs, tu les prends en photo et Ah tu oui. montres ces photos-là aux gens et tu demandes quelle est l'émotion que ça dégage. Apparemment, à travers les cultures, tout le monde est capable de reconnaître au moins la colère, Bon, la colère et la peur, je crois, je sais plus. Je sais que colère, peur et dégoût, elles se confondent un peu parfois les uns les autres. Mais en gros, déjà, tu as la différence positif-négative qui se dégage très facilement. Et normalement, ouais, tu as vraiment la différence entre la colère, l'agressivité d'une part, la peur, il me semble, qui doit être séparée. La joie et peut-être la tristesse qui se bat. Il y a au moins quatre émotions, des fois il y en a cinq. Donc je pense qu'ils ont pris cette chose de base en se disant on va essayer de faire une composition autour de ça, tu vois, de traiter. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est intéressant. Hein. Quand j'y pense, c'est bizarre que parmi cinq émotions, il n'y en ait qu'une seule de positive. Ouais, je trouve ça bizarre aussi, ouais, il me semblait qu'il y en avait d'autres. Mais non, j'arrive pas à me rappeler ce qu'il pourrait y avoir d'autre à part la joie en fait. Ouais, c'est vrai que quand on y réfléchit, c'est déjà assez global, Parce que si t'imagines toute émotion positive, tu peux tout ramener à la joie en mais... fait. Le rire, bah, c'est la joie. La satisfaction, mais c'est un peu discret, mais ce serait de la joie aussi quelque part. Le plaisir, je suppose. Ouais, le plaisir, mais c'est de la joie aussi. Étymologiquement, c'est la même chose d'ailleurs. Ouais, Enfin, c'est vrai. Ouais. Bref, non, c'est marrant. Et du coup, j'espère que la colère reste colérique pendant tout le film, que la joie reste joyeuse pendant tout le film, que la peur reste peureuse. Ils ont pas sombré dans le truc où la colère finalement bah est pas vraiment colérique, tu vois, enfin, ce genre de choses. Non, au final, bon, je vais pas spoiler la fin non plus au cas où la seule personne qui nous écoute n'ait pas vu le film et voudrait le voir. Ouais. ou alors je spoil et puis on fait un truc, revenez à tel moment de... C'est une façon de perdre le seul auditeur. C'est ça, voilà. Revenez jamais. Parce que Laissez-nous tranquilles. j'ai pas envie de faire le timer, donc.